10 vérités sur les hommes en amour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous permettre de créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire, à partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler psychologie masculine. Nous allons parler du fait de mieux comprendre ces messieurs. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne. Likez mes vidéos, signe que vous aimez bien ce que je vous partage et partagez justement à des amis, des sœurs, des collègues qui en auront besoin et qui vous diront très certainement merci. La première chose que je vous partagerai, eh bien mesdames, c'est que les hommes sont simples. Contrairement à nous, mesdames, qui sommes compliqués. Nous avons cette faculté d'être en soi des êtres plus complexes que les hommes. Nous sommes toujours en quête de l'amélioration du foyer, par exemple. Nous sommes souvent insécures et allons chercher le fait d'être rassurés à travers nos échanges avec ces hommes. Nous avons tout un tas de pensées qui sont dans notre esprit et qui parfois nous perturbent. Alors que les hommes sont beaucoup plus simples. Il n'y a qu'à voir lorsque parfois vous demandez à un homme à quoi il pense, il va vous dire à rien. Et là, d'un seul coup, vous vous dites « c'est juste pas possible ». Il ne veut pas me le dire. En fait, il pense à quelque chose et il me cache quelque chose. Mais non, les hommes ont cette faculté de ne penser à rien. C'est quelque chose qui, pour nous, semble impossible. Je pense que vous me retrouverez, et dites-le-moi dans les commentaires si vous, ça vous arrive, on ne peut pas ne pas penser à quelque chose. Ça fait une grosse différence qui, parfois, peut amener à des disputes, peut amener à des incompréhensions. C'est pour ça que je vous dis toujours, mesdames, l'importance de comprendre la psychologie des hommes dans nos relations amoureuses. L'importance de comprendre leur fonctionnement pour pouvoir justement avoir une longueur d'avance et pouvoir leur envoyer le bon message. Car si deux personnes parlent un langage différent et essayent de communiquer, vous imaginez bien qu'ils n'arriveront jamais à se rencontrer. Donc, quand vous comprenez la psychologie des hommes, quand vous comprenez les rouages amoureux, leurs attentes, en désir de relation amoureuse, eh bien, vous avez cette faculté de mieux vous positionner. Il n'est pas question de se fourvoyer, il n'est pas question de se travestir en une autre personnalité, mais il est question d'adapter nos comportements à cette psychologie masculine. La deuxième différence, eh bien, mesdames, c'est que les hommes font attention à l'ensemble d'une femme. Ils ne sont pas dans le petit détail. Lorsque deux femmes se rencontrent, elles vont avoir leur œil qui check les détails. Ça peut être du vernis, au collant, aux chaussures, au rouge à lèvres. Bref, on a déjà analysé toute la personne. Alors que les hommes, pas du tout. Si vous leur demandez, par exemple, comment était habillée la personne, qu'est-ce qu'elle portait, ils seront incapables de vous le dire. Ils vont comme ça pouvoir dire qu'elle était jolie, qu'elle était agréable, mais jamais, au grand jamais, ils n'auront retenu les petits détails. Donc, vous imaginez bien comme ça peut faire un vrai couac dans nos perceptions quand une femme va être complexée, par exemple, par 2-3 kilos en trop, alors que ce ne sera jamais, au grand jamais, ça qui pêchera dans sa relation. Mais pensant que c'est le problème, elle va se recroqueviller, elle va être moins détendue, moins avenante, etc., etc. Donc, on comprend qu'il est essentiel d'analyser tout ça en amont pour se détendre et pouvoir aborder l'autre de la manière la plus optimale. La troisième chose, eh bien mesdames, faites attention, les hommes ne parlent pas mais enregistrent. Combien de femmes se sont retrouvées dans des situations où elles ont vu leur partenaire quitter le foyer ou demander la séparation alors qu'elles ne pensaient pas qu'il y avait péril en la demeure?
Faites très attention à ça. Mesdames, nous sommes des êtres qui avons besoin de verbaliser. Nous verbalisons tout. Et lorsque l'on verbalise, eh bien, on a cette habitude de parler quand ça ne va pas, du moins généralement, ou quand les choses peuvent être encore sauvées. Une femme va verbaliser. Si une femme ne parle plus, là, c'est un vrai problème. Mais c'est un autre sujet. Alors que les hommes n'ont pas cette faculté de verbaliser aussi facilement que nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'enregistrent pas. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas observateurs. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne retiennent pas certaines choses. Donc, soyez vigilantes. Je vois trop de femmes essayer de recoller les morceaux quand il est déjà trop tard. Alors qu'il est si facile de le faire lorsque la relation n'a pas encore périclité, lorsque les meubles peuvent être sauvés. Vous comprenez ? Et comme je vous l'explique, vous devez toujours avoir une longueur d'avance. Vous devez toujours être vigilante et ne pas attendre d'être dans une situation extrême. De la même manière, je vois beaucoup de femmes qui attendent pour se faire accompagner, attendent pour se faire aider. Elles attendent de souffrir inutilement. Alors qu'en prenant les devants, elles peuvent déjà embrasser leur nouvelle vie, avoir de nouvelles choses dans leur vie et s'apporter le meilleur. La quatrième vérité que je vous partagerai, eh bien, c'est que les hommes ont besoin d'être validés. Combien d'hommes ne se sentent pas bien parce qu'ils ne sont pas validés? Ils sont critiqués par leur conjointe. Ils sont rabroués. Ils ne se sentent jamais à la hauteur. Elles ont toujours quelque chose à dire. Ou alors, ce sont des femmes qui veulent les changer. Eh bien, c'est un tort. Car si un homme n'est pas validé, il ne sera pas heureux. Donc, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre relation amoureuse pour, effectivement, pouvoir vous permettre d'avoir une relation sereine. Bien évidemment, nous ne validons pas tout pour que la relation fonctionne. Mais il y a d'autres moyens pour donner à l'autre l'envie de changer. Je sais que certaines personnes disent « on ne change pas l'autre », effectivement. Mais on peut l'inspirer à se modifier. On peut l'inspirer à aller dans un certain sens. Et ça, c'est tout ce que j'apprends à mes étudiantes et cela fait partie de notre intelligence féminine. Cinquième point, ils sont beaucoup plus susceptibles que nous. Et souvent, encore une fois, dans la même dynamique que le fait de ne pas en parler, ils peuvent être vexés, ils peuvent être humiliés, touchés ou simplement en colère par vos agissements maladroits. Donc, il est très très important de faire attention parce que ces hommes sont plus susceptibles qu'on imagine. Ils ont comme ça un affect avec lequel ils ne sont pas à l'aise et pourtant, il est bien présent. Pourtant, il est bien là et que l'on a la sensation que l'on peut œuvrer comme ça et que ça ne fera rien. Faites attention parce que les hommes restent très susceptibles. Sixième vérité, ils ne comprennent pas nos changements d'humeur. Ils ne comprennent pas notre fluctuation émotionnelle. Et ça les déstabilise beaucoup. Car comme n'importe quelle personne, être humain, eh bien, on va analyser les situations en fonction de notre état d'être. Et comme les hommes sont linéaires et que nous sommes cycliques, eh bien, cette appréciation de la femme les déstabilise. Donc, encore une fois, messieurs, si vous écoutez mes vidéos, eh bien, vous allez apprendre sur nous et vous permettre aussi de mieux nous comprendre. Septième point, ils compartimentent les choses. Nous, quand nous gérons notre vie, nous allons tout mettre au même niveau. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien penser à l'intendance, penser au travail, penser à nos distractions, penser à la maison, penser à n'importe quoi en même temps. Alors que les hommes, non. Ils compartimentent. Si un homme est au travail, il est au travail. Si un homme est dans sa relation, il est dans sa relation. Si un homme est au sport, il est au sport. Bref. Donc, ce qui fait que parfois, il faut être tolérante. Quand un homme n'est pas disponible, c'est qu'il n'est pas disponible intellectuellement, émotionnellement. Et vous, vous avez souvent cette tendance de ramener tout à vous et de tout de suite paniquer ou vous poser tout un milliard de questions. Non, il faut remettre les choses à leur place. Huitième point, attention à la chirurgie esthétique. Ils vont juger ça de manière assez drastique. Autant une femme qui aura accès à la chirurgie esthétique pour s'embellir, etc., etc., ça peut être OK. Mais si une femme a trop tendance à faire de chirurgie esthétique, il aura tendance à se poser la question à quoi ressembleront ses enfants. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on va penser, en fait, en tant que femme. On va s'embellir, certes, on va peut-être se changer et on occulte le fait que les hommes vont se projeter dans l'avenir et se poser ce genre de questions. Neuvième point, dans nos relations amoureuses, cela fait aussi défaut, c'est une vérité, c'est que les hommes ont besoin de silence
pour réfléchir. Et les femmes ont besoin de parler pour mieux réfléchir. Cette grosse différence fait aussi des couacs dans les relations amoureuses. Parce que les hommes ont besoin de recentrage, ils ont besoin de moments de solitude pour trouver la réponse. Alors que nous, les femmes, très souvent, c'est en parlant que l'on arrive à réfléchir. C'est en parlant qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, vous voyez à quel point, parfois, encore une fois, quand un homme est silencieux, on va penser tout de suite que c'est du désamour. Et pas du tout. Donc, remettons les choses à leur place. Et la dernière vérité, qui peut-être peut choquer, mais c'est qu'un homme cherche la femme idéale. Lorsqu'un homme se met avec une femme, il cherche la femme idéale. Donc, il va être amené à la comparer. Il va être amené à rechercher la femme qui lui semblera la mieux pour lui. Et souvent, lorsque l'on s'imagine que l'amour doit être naturel, lorsque l'on s'imagine que les choses ne fonctionnent pas pour nous, c'est que nous n'avons pas fait assez de travail sur nous-mêmes. Nous n'avons pas assez investi en nous pour devenir cette femme optimale. Plus vous allez investir en vous, que ce soit en développement personnel, en apparence, dans votre féminité, dans le fait de toujours chercher à être une meilleure version de vous-même, plus vous aurez des chances d'attirer le bon partenaire à vous. Justement, si vous désirez aller plus loin dans mes enseignements, si vous voulez comprendre la psychologie des hommes, si vous voulez vous réaffirmer dans votre féminité, si vous voulez véritablement avoir plus d'abondance dans votre vie, plus d'opportunités et faire en sorte d'obtenir une vie d'excellence, mesdames, je vous invite à candidater à un diagnostic offert avec moi. C'est juste en dessous, afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter les clés concrètes afin que vous, vous puissiez avoir une vie à la hauteur de vos ambitions. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Mesdames, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, trop de femmes agissent à travers une énergie masculine. Sans s'en rendre compte, elles dirigent, ordonnent, exigent de la part des hommes qu'ils les aiment. Aussi, mesdames, vous comprenez que les hommes n'ayant pas du tout envie d'obtempérer à nos exigences, fuient. Et ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que la plupart des femmes se tapent la tête contre les murs vis-à-vis de leur relation amoureuse, alors que la réponse, elles l'ont en elles. Alors que la réponse est quelque chose caché au plus profond d'elles-mêmes. Mais malheureusement, au fil du temps, nous avons perdu cette connexion à notre énergie féminine. Pourquoi ? La société, les médias, notre manière de fonctionner a fait en sorte que nous avons conclu que la seule manière d'agir était d'agir à travers une énergie masculine. Pourquoi ? Car on a en soi validé le fait qu'il était préférable d'avoir des réalisations professionnelles que le fait de développer d'autres sphères de notre vie. On a voulu nous faire croire que si nous réussissions professionnellement, si nous nous en sortions dans la vie, si nous montrions notre valeur, eh bien nous serions validés et par prolongement aimés. Sauf que, bien qu'il faille utiliser notre énergie masculine pour nous mouvoir dans cette société, pour atteindre nos objectifs, pour réussir professionnellement, pour réaliser tout un tas d'enjeux qui jalonnent notre vie de femme, dans nos relations amoureuses, ce n'est pas la bonne stratégie. Aussi, j'ai décidé d'organiser une masterclass exclusive et inédite afin de vous apprendre comment faire en sorte de développer votre énergie féminine pour captiver le cœur de l'homme que vous aimez. Vous allez voir, mesdames, que quand vous allez pouvoir vous reconquérir dans ce sens-là, quand vous allez pouvoir connecter avec votre essence même, pouvoir agir à travers des outils qui ont été utilisés depuis la nuit des temps par des femmes emblématiques. Et cela, mesdames, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné ailleurs, qui n'est plus enseigné dans cette société, mais malheureusement qui est pourtant si salvateur dans nos relations amoureuses. Mesdames, la séduction est une question d'apprentissage, est une question de décision, est une question de compréhension de la psychologie masculine. Et à travers cette conquête de notre féminité, nous envoyons un message fort aux hommes qui se disent qu'ils sont, encore une fois, à la bonne place, qu'ils sont auprès de femmes dignes d'être aimées. Maîtriser sa féminité, c'est maîtriser sa relation amoureuse
Et c'est ce que je veux vous apprendre. Donc, mesdames, pour nous retrouver, rien de plus simple. Cliquez sur le bouton juste en dessous pour vous inscrire à cette masterclass. Les places, bien évidemment, seront limitées et j'ai vraiment hâte de retrouver ces femmes désireuses d'apprendre, de comprendre, de se développer pour enfin obtenir une relation amoureuse à la hauteur de vos espérances. Mesdames, je suis ravie de participer à votre réussite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.